Tout le monde, c'est Katsuki et nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et c'est un petit tuto, hein. Tuto comment faire une bannière YouTube. Hein. Je pense que beaucoup de gens se demandent. Alors faites pas gaffe aussi à l'heure où je tourne la vidéo. Voilà, c'est bien sûr la véritable heure, mais... Alors d'abord, on va aller chercher Pixel Air. Mince, on écrit comme ça, Pixel R, sur Adobe, c'est Adobe Pixel R, et aussi on va aller chercher Eraser, c'est pareil, quand vous tapez Pixel R, bien sûr, Pixel R, ça met celui-là, là, le truc comme ça, le 4PH, et ça va beaucoup vous aider. Que comme vous avez dû voir, j'ai changé de bannière et j'ai beaucoup taffé dessus. Alors, oups, c'était pas ça. J'ai énormément taffé dessus, du coup. Voilà. Alors, on va aller chercher. Pour le fond, bien sûr, c'est sur Android, mon truc. Alors, on va chercher du 2150. Non, c'est 2500. C'est 2506. Ou 660. Ouais, 560 fois 1400. On va dans l'image, bien sûr. Hein. Oula. C'est quoi ce truc? On va chercher dans les wallpapers. Oh, on va aller chercher dans les trucs gaming. On va aller chercher dans YouTube. On prend un truc vite fait. Un truc qui me plaît, bien sûr je fais pas dans la bannière, je fais un petit tuto là, pour ceux qui n'ont pas connu. Ah voilà, on va aller prendre on fait télécharger l'image. Télécharger l'image, créer un fichier, on va faire ça, et on va rajouter 2-3 photos, 2-3 photos avec, je me suis trompé, voilà, téléchargement est bien effectué, on va aller chercher, là c'est des images au pif, on va prendre One Piece, tiens, on va prendre Luffy comme ça, télécharger l'image et tout, c'est un petit tuto rapide. Oups, je me trompe. Bon, si j'ai un peu la voix défoncée, voilà. Tiens, on va aller prendre Gohan Ultime. Tiens. On va prendre celui-là, il est un peu stylé. Voilà. On va aller chercher notre Gohan. Gohan SS2. Quelle heure avec les Gohan SS2. Tiens, on va prendre quand il vénère. Oups, je me suis trompé. Voilà, il faut bien que l'image elle soit pas trop pixelisée. Tiens. Notif de Clash Royale, qu'est-ce que c'est? Voilà, on s'affiche. On va aller prendre un dernier truc, allez.
Allez, on va prendre Kazuto Kirigaya. Alors, bien sûr, ce truc qui s'adapte que sur Android. On va prendre quoi, Oh, vas-y, ça c'est trop stylé. Si vous avez vu la bannière, c'est je l'avais pris. Kazuto Kirigaya, et on va prendre allez, un youtubeur que j'adore. Anti. Oh non, on va prendre. Siphono, allez. Sipsifif. Et on va prendre un petit truc comme ça, voilà. Télécharger image. Et on y va pour aller faire tout ça. Alors, vous voyez dans tout ça là, bon, oh, j'ai oublié d'enlever ça, bon, ouais, je l'ai fait hier, même si pour moi c'est aujourd'hui, comme c'est à peu près aujourd'hui. Et voici ma nouvelle bannière qui est superbe, je trouve. Ça rend bien, bref. Normalement le Kirito, vous voyez pas le bas, du coup. J'étais pas obligé de faire ça. Bon, vous avez vu, on aime tout plein de trucs. Alors, on va aller sur Eraser. On va enlever, vous voyez les petits bords autour. C'est franchement propre. Tiens, on va commencer par le cher Stefano. Hop, encore ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le gommer direct, là, en fait. C'est pour enlever tout le fond, le truc autour. Bon, ça, c'est pour dire qu'est-ce que t'as sur ton truc. Qu'est-ce que t'as envie d'avoir sur ton truc et tout. Oh, on s'en fiche comme sel. Non, c'est extra. Là, on va prendre ça. Là, vous pouvez zoomer, vous pouvez revenir en arrière avec la petite flèche. C'est galère, hein, monsieur Fanny. C'est galère. Bon, c'est pas grave, si on vous efface, c'est un brouillon. Tiens, on va faire ça, non, c'est comme ça. Comme ça, hop, on va enlever le truc derrière. C'est galère, monsieur Fano. Oh, c'est pas grave, hein, c'est un brouillon. Save. Et voilà, finish. Barre des pubs. Oh. Les pubs, des fois, dans ce truc-là. On va faire load. On va prendre Luffy, hashtag Lefess, Tom, tu sais. Seules certaines personnes peuvent comprendre. Bon, j'ai pas beaucoup de batterie, voilà, 15 de batterie, c'est pas grave. Allowed. Alors, Tom, tu sais, on va s'occuper de... Ben non, on l'a déjà. On va pas s'occuper de load. On va s'occuper de Gohan, SSJ, et voilà, toi-même tu sais, et hop là, t'as pas d'autres trucs, mon cher Gohan, save. Alors je l'ai pris bien sûr Gohan, SSJ2, parce que Mister G l'adore, et je crois que c'est fini, parce que, apparemment, Kazuto et... Ok, d'accord. Là, on va s'occuper de mettre les photos sur le truc. Alors, on va sur le truc Destiny.
photo, vous voyez, on va faire ça là, tu vois, vous pouvez voir quelque chose renier à l'image, ça disait que la blessure corrigée et tout, on peut assombrir les inconnus, voilà, ça on peut mettre des sortes de filtres, comme ça, c'est pour moi, et ça rend style ça, aussi, voilà. Des filtres comme sur Insta, sur Instagram, voilà, et n'oubliez pas surtout de nous ajouter sur Instagram, hein. On oublie de préciser, mais on a un compte Instagram et on marque tous nos trucs, tous nos exemples, on marque test, on va mettre en... Hop, voilà. Hop, voilà, on va prendre, on va faire un truc. Voilà. Voilà. Attends. Et voilà. Ça fait annulé. On va faire. On va mettre des images qu'on a eues. Allez, vas-y, le petit chicano. On est là. On va le mettre ici. Voilà. Voilà, ici il est pas mal. Voilà, on fait ok. Enfin, le petit truc pour dire ok. Les sangones, ces gilets. Voilà, on va un peu pencher. Non, je sais comment on va faire. Voilà, un petit effet. Hop, double exposition. Là, je vous. Si vous voyez que je suis beaucoup plus à l'aise dans les vidéos, c'est normal. Hein. De toute façon, tant mieux pour vous, hein, si je suis plus à l'aise. Bon, je pense pas que c'est encore ça pour Mister G. Parce que... il fait moins de vidéos que moi. Moi, franchement, c'est... Je masterise toutes les vidéos. Allez, le Son Goku... le Son Gohan Ultime. Voilà, on va le faire comme ça. Hop. Comme ça. Comme si tu sais, comme s'il allait attaquer, on va prendre, voilà, voilà, c'est la fin de ce petit tuto, hein, pour faire terminer, enregistrer l'image 1280 720, c'était pas le bon, c'est pas grave, bien sûr, je vous ai dit, il faut prendre du 2560, voilà, à 1400, et on va regarder le truc, voilà, le petit test, voilà, oh, c'est sympa et tout, hein. Mais bon, je vais pas le mettre, je vous ai dit que voilà, on... voilà, c'est bien mieux cette bannière là avec le MK que vous avez l'habitude, je pense, et vous voyez ce qu'on aime tous comme jeux vidéo et tout, vous voyez un creeper, c'est référence à Minecraft, les Rayquaza et Lector, bon voilà, c'est Pokémon, je pense que tout le monde connaît. Alors, Kuroko, là, le mec avec les cheveux bleus, je pense que vous connaissez pas, c'est Kuroko's Basket, Naruto et Sasuke, je pense que vous connaissez, parce qu'on est des très gros fans de manga, surtout moi, et Link, je pense que vous connaissez, bon, Clash, le chevalier de Clash Royale, vous connaissez, Kazuto Kirigaya, je vous l'ai déjà montré, et Gohan et tout, et franchement... cette bannière, j'en suis plutôt fier.
comparé à ce que j'ai fait pour le logo qui était énormément et qui est énormément voilà. Et je vais vous montrer à quoi ressemble sur bien sûr sur téléphone ma chaîne bien sûr ma chaîne voilà et ce que ça ressemble c'est vraiment bien en fait ce que je voulais surtout mettre c'était le Naruto et Sasuke bien placé et j'ai réussi à le bien placer et tout je suis plutôt fier. Donc tu vois les deux amis qui sont graves qui se connaissent depuis longtemps et bon je pense que c'est ça avec c'est ça qui est entre moi et Mister G parce qu'on se connaît depuis la maternelle voilà depuis le début. Allez bon je pense que assez papoté je vous dis allez bye tout le monde peace.
inside.